Bon, comme c'est vraiment nécessaire que les peuples se révoltent une bonne fois, aujourd'hui on va les appeler. On va les appeler à se révolter, à se réveiller, à se rendre compte de ce qui se passe et puis à vraiment changer les choses. Ça commence à être vraiment indispensable. Je m'appelle Éric Fioril, je suis français et je suis responsable en France du Conseil national de transition. Alors, je vais vous parler de votre pays, et non pas de la France. Je vais vous parler de votre pays. Et quel que soit votre pays en Europe, non pas parce que je les ai tous visités ou que j'en connais beaucoup de ressortissants, mais simplement parce que ça correspond à une certaine logique. Donc, en ce qui concerne déjà, globalement, vos dirigeants. Vos dirigeants, vous avez systématiquement, que ce soit, alors peu importe que vous soyez en République ou en monarchie parlementaire ou sous une autre formule, de toute façon, au moins un des trois principaux dirigeants, c'est-à-dire des postes clés, hein, soit la présidence, soit le ministère de l'Intérieur, soit le Premier ministre, enfin après c'est une question d'appellation aussi, systématiquement est passé par le Club Bilderberg. C'est-à-dire que c'est le Club Bilderberg qui a décidé qu'il serait en place. Ensuite, dans l'ensemble des membres de votre gouvernement, vous avez au moins, au minimum, la moitié de tout l'ensemble du gouvernement qui sort exclusivement de la haute franc-maçonnerie. Enfin, et là aussi vous pouvez le vérifier, vous pouvez constater que les hauts dirigeants de votre pays sont en train de brader les biens de votre pays. C'est-à-dire qu'ils sont en train de vendre aux Américains, à travers le Qatar ou à travers l'Arabie Saoudite, peu importe. Mais toujours est-il qu'ils sont en train de vendre aux Américains vos grandes entreprises, tous les traitements d'eau, tous les traitements d'électricité, toutes les télécommunications, tous les biens vitaux du pays sont en train de passer entre leurs mains. Et petit à petit, la dette augmente, et donc votre pays est complètement endetté. On pressionne en permanence la population en raison de ses dettes. Et depuis l'euro, vous avez pu constater que grâce à l'euro, vous êtes de plus en plus pauvre, globalement la population, tandis que vos dirigeants sont de plus en plus riches. Et puis ces dirigeants sont là, non seulement bradent les biens de votre pays en parlant toujours de privatisation, mais la privatisation c'est quoi? C'est jamais rien d'autre que de passer ce qui est commun à tout le peuple et qui permet d'avoir des prix bas entre les mains de quelques-uns capitalistes qui veulent ensuite diminuer les services et augmenter les factures. Donc vous payez plus cher votre eau pour avoir une eau de moins bonne qualité, par exemple, si on parlait de l'eau. Et donc dans tous les domaines c'est comme ça. Et puis alors, en plus de ça, vous avez des politiciens qui sont là exclusivement pour vendre les produits des lobbies américains. Et donc vous avez, par exemple, le ministre de la Santé, je suis sûr que chez vous, il est tout le temps en train d'essayer de faire la publicité pour les vaccins contre la grippe, pour les vaccins pour les filles col de l'utérus, soi-disant. Tous ces faux vaccins qui sont dénoncés par des scientifiques, par des médecins, etc., les ministres de la Santé font de la publicité pour arriver à les vendre. Et vous avez aussi dans votre pays, j'en suis sûr, un système d'éducation nationale qui se dégrade petit à petit. Certains pays en sont même arrivés maintenant à ce que, aux jeunes enfants, on les oriente vers la perversion sexuelle, directement dès l'école. Donc il y a toute une perversion complètement du système de l'enfance. Et puis toujours globalement, vous avez aussi de plus en plus de chômeurs. Et puis, vous avez aussi des problèmes d'immigration, avec beaucoup de main-d'œuvre qu'on peut utiliser sans la déclarer, ni rien. Et donc, tout ça, ce sont les symptômes classiques de pays dont on voit l'arrivée. Au bout, si on touche jusqu'au bout, il n'y a qu'à regarder ce qui est déjà en train de se passer, à savoir la Grèce. Eh bien, c'est un pays qui est totalement dévasté. La Grèce n'existe plus déjà. La Grèce a été complètement achetée par les Américains. Ils ont racheté les réseaux de communication, ils détiennent tout le pays, toutes les mines, tout l'or, tout le gaz, le pétrole, absolument tout appartient maintenant aux Américains, jusqu'à la terre, c'est-à-dire que les îles, la Grèce c'est avant tout des îles, et bien pratiquement toutes les îles grecques, maintenant les Américains les ont mises en vente, et ils sont en train de les vendre pour leur compte. Donc, ce pillage organisé par les dirigeants de la Grèce, complices des Américains, est exactement la même chose qui se passe dans tous les pays d'Europe.
Et c'est pour ça que je ne crois pas me tromper, je risque pas de me tromper en parlant de votre pays, où il se passe la même chose, et où je suis sûr qu'aussi vous avez des lanceurs d'alerte, c'est-à-dire des gens qui essayent de vous dire « attention, la dette c'est un mensonge, il n'y a pas de dette, c'est une fausse dette ». Vous avez des lanceurs d'alerte dans le domaine de la médecine, dans le domaine scientifique, des gens qui vous disent « attention, ces vaccins n'ont jamais été pour le cancer de l'utérus, c'est un mensonge énorme, mais ils sont extrêmement dangereux, il y a beaucoup de victimes ». Vous avez des gens qui essayent de dénoncer ce qui est en train de se passer. Alors, pourquoi j'en suis sûr ? Parce que ça répond à un programme, c'est bien clairement un programme. Et aujourd'hui, tous les pays sont sous leur coupe. Et petit à petit, nos dirigeants, au lieu de nous défendre, nous, en tant que peuple, ne servent que les intérêts de ce petit groupe qui contrôle les États-Unis. Alors, la finalité, c'est quoi ? La finalité, c'est provoquer l'effondrement de l'euro, qui de toute façon ne devrait déjà plus exister depuis très longtemps, mais en provoquant cet effondrement, ils vont faire exactement comme en Grèce. Les banques se sauvent avec notre argent. Et on va se retrouver ensuite avec un phénomène de plus qu'il n'y a pas eu en Grèce, mais qu'il y a chez nous, c'est la guerre civile. Parce que toute cette émigration qui arrive, tout le monde sait maintenant que parmi tous ces émigrés, il y a une grande partie qui sont les anciens terroristes de Daesh, qui travaillaient en Afghanistan, en Syrie, etc., toujours pour le compte des Américains, pour déstabiliser ces pays et qui maintenant sont en train d'envahir toute l'Europe. Et donc, pays après pays, tout va s'enflammer. Et aujourd'hui, nous, on en est tellement conscients en France qu'on a lancé un appel pour le 10 juin pour, au nom du Conseil national de transition, appeler l'armée française à défendre le peuple et virer tout notre gouvernement, virer tous les politiciens, de façon à ce qu'on remette tout notre pays à zéro. On récupère tous nos biens et on laisse le peuple de France décider du mode de gouvernance qu'il veut. Donc il y a tout un programme qui est fait. Le Conseil national de transition, c'est une entité juridique légitime, puisque adoptée par tous les pays du monde, acceptée par l'ONU, par l'OTAN. Donc on a fait une déclaration à l'ONU, et en France, on a un Conseil national de transition. Donc, il suffit d'aller sur le site, de regarder la déclaration à l'ONU, et chacun dans son pays peut l'adapter, puisque le droit exige seulement que le gouvernement ait violé la Constitution. Or, dans tous les pays, les gouvernements l'ont fait, ne serait-ce qu'avec leur système d'Europe qui appartient aussi aux Américains. Ce qui veut dire que n'importe qui, dans n'importe quel pays, peut créer un Conseil national de transition qui sera une entité légitime. Nous, Français, savons que la France est le symbole de la liberté à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Une déclaration universelle, une déclaration qui a été faite en 1789, et que tous les pays du monde ont adopté depuis, et que c'est vraiment le symbole de liberté que représente cette déclaration des droits de l'homme, et qu'on est tous libres et égaux, avec tous les mêmes droits. Aujourd'hui, il est clair pour tout le monde que c'est complètement bafoué. Et eux, ceux qui essayent d'établir une dictature mondiale, de mettre toute l'Europe en chaos, veulent détruire notre pays, la France. On est une cible pour eux. Et je crois que c'est par la France que va commencer les premiers graves événements qui vont entraîner ensuite un chaos dans toute l'Europe parce que ça va se répercuter. Alors, je crois qu'il est urgent maintenant de changer la situation. Il est urgent que ceux qui sont en train de s'accaparer tout l'argent de nos pays, car nous sommes tous riches, tous nos pays ont des terres, ont tous les moyens de vivre riches. Regardez vos dirigeants, simplement, regardez à quel point ils sont dispendieux, à quel point ils peuvent... C'est une véritable gabegie d'argent. Et tous les organismes qu'ils montent pour piller le pays. Et tout l'argent, cet argent-là, c'est le nôtre, c'est celui des peuples. Et donc si on était sous un régime juste, simplement juste et logique, alors il n'y aurait plus du tout de pauvreté ni de misère nulle part en Europe. Tous nos pays sont assez riches pour que chaque citoyen puisse vivre bien. Si vous pensez comme moi qu'il ne faut pas laisser une dictature mondiale s'imposer, si vous pensez comme moi que les peuples n'ont pas à être soumis par la force à un petit groupe qui l'exploite et qui vit richement du fait que nous on soit pauvres, si vous pensez comme moi que c'est vraiment urgent d'empêcher ces guerres qui se dessinent, guerre civile, à travers toute cette émigration massive qu'ils ont manifestement organisée,
si vous pensez comme moi qu'il ne faut pas laisser les choses continuer plus gravement et la situation devenir absolument intolérable et qu'on soit dans tous pris, toute l'Europe prise dans des guerres, dans le chaos social que va créer cette immigration une fois qu'elle sera organisée, armée, etc. Il faut cesser de croire que de changer les hommes qui dirigent le pays, ça peut changer quoi que ce soit. L'histoire nous a montré que ça ne changeait jamais rien. Donc voter est complètement inutile. Il y a un concept qui a été mis en place et qui fonctionne, qui est le Conseil national de transition. Ce concept, ça y est, nous on l'a mis en place en France. À vous d'en faire autant dans votre pays et d'avoir une structure juridique légitime qui vous permet d'éviter toute forme de chaos, de régler tous les problèmes et que ce soit vraiment le peuple qui prenne le pouvoir. Et ensuite, vous gérerez comme vous le voulez votre pays, selon votre système de gouvernance, selon votre culture, parce qu'il faut que dans tous nos pays, cette Europe, qu'elle soit une Europe d'alliance, pourquoi pas, une Europe d'amitié, pourquoi pas, mais on a tous notre culture. Les Anglais apprennent Shakespeare et nous on apprend Voltaire. On n'est pas tous en train de passer sous la culture américaine des Buffalo Bill et Kit Carson. On a tous notre propre gastronomie, notre propre mode de vie, etc. Et c'est un bonheur d'aller chez les autres et de découvrir leur mode de vie. On n'est pas tous McDonald's et Coca-Cola. Or, cette dictature qu'ils veulent nous imposer, nous en France, on n'en veut pas. Et j'espère que vous aussi, chez vous, vous voulez garder vos valeurs culturelles, garder la souveraineté de votre pays, garder le droit de décider des lois chez vous, qui vous concernent, qui sont celles qui vous conviennent, comme nous on veut le faire en France ici et qu'on va tous se réunir le 10 juin pour une bonne fois pour toutes virer tous ces politiciens. Moi, avec cet appel, je suis en train de dire que la France, qui est un symbole de la liberté, la France risque d'être complètement détruite et on est vraiment au bord de la révolte. Alors, plutôt qu'une révolte qui serait un grand chaos, le Conseil national de transition, c'est tout un programme élaboré par les gens du peuple qui va permettre d'éviter toute forme de chaos, toute forme de violence et, grâce à l'armée, d'arrêter les malfaiteurs qui sont en train de trahir notre pays. Donc voilà notre programme, voilà pourquoi j'appelle tous les peuples d'Europe, s'il y a des gens qui sont en France à ce moment-là, etc., ça se passe à Paris, c'est le 10 juin, et bienvenue à tous ceux qui veulent nous soutenir, nous aider. Et quand un premier peuple aura viré les politiciens et créer un nouveau système, complètement nouveau, remettre tout à plat. Alors, les autres peuples vont suivre, ça va être un effet domino, et ce nouvel ordre mondial, qui est une dictature mondiale qu'ils souhaitent imposer, eh bien, ça tombera à l'eau. Leur projet ne fonctionnera pas s'il y a au moins un peuple qui se révolte, parce qu'il sera suivi par les autres. Et donc, nous, en France, c'est le 10 juin, j'appelle tous les peuples à nous soutenir, j'appelle tous ceux qui ont la possibilité d'avoir des contacts avec les médias chez eux. Chez nous en France, il n'y a aucun média libre, pas du tout, pas un seul. Donc on n'a aucun autre moyen que Internet. C'est pour ça que j'appelle tous les peuples d'Europe à travers vos médias. Peut-être que là, il y a des médias encore libres dans d'autres pays qui peuvent éventuellement transmettre cette information parce que le principal et le plus important pour nous, vous pouvez nous aider ne serait-ce qu'en transmettant cette vidéo. Retransmettez-la à vos amis, à vos relations, faites-la connaître, c'est ce qui peut nous aider. Et puis j'appelle aussi les rares gouvernements qui restent sur la planète, qui se sont libérés de l'emprise américaine, du FMI, de la Banque mondiale, etc., qui ont réussi à se libérer. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a encore quelques-uns. Et donc ceux-là aussi, s'ils peuvent nous aider, on a vraiment besoin de tous les appuis. Ça, c'est le nom de l'Orsay, et le Versailles, pas et la voix, pas et la voix, bonjour. Ah, au fond, du clé, on verra ce peuple, et c'est l'envers, mais c'est pas trop.